dernière fois que nous entrons dans ce jeu, dans l'antre de Dog's Life. J'espère que vous êtes fin prêt pour terminer ce jeu. J'avais tellement galéré. À la dernière vidéo, je pense que vous l'avez vu. Première fois qu'une de mes vidéos Dog's Life durait 1h15. Dans ce putain de niveau où j'ai dû aller voir sur internet pour trouver la solution. Honte à moi, je le sais. Je ne le sais que trop bien. Mais je veux fuir vite. Vite, faites-moi fuir de là. Attendez, je vais prendre la télécommande pour que j'augmente un petit peu le son parce que j'aimerais bien quand même écouter les gens parler, écouter la musique, surtout pour le dernier niveau. Alors là. Et là, vous vous demandez peut-être comment est-ce que je suis sûr que c'est le dernier niveau. Ben, on l'a un petit peu vérifié quand même la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a rencontré le mec de la fourrière. Et on est allé dans le manoir de Miss Peaches, là où sont enfermés les chiens. À moins que il existe plusieurs niveaux dans ce manoir, je pense que malgré tout, on doit quand même être très proche. Et peut-être même qu'on va tout faire dans celle-ci. Donc bon, je m'avance peut-être un peu trop. Mais pour moi, celle-ci, c'est la dernière vidéo de Dog's Life. On va finir le jeu pour la première fois. En tout cas pour moi. On va finir ce jeu. Attendez. C'est pas là. C'est vers la fourrière. Donc c'est ici. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. Je ne connais absolument pas. Je sais que... Là, on a encore un niveau avec 9 os à récupérer, ce qui nous fait 116 plus 9, 125. Boom City, fourrière. C'est parti. Let's go. Donc déjà, ambiance très sombre. Il n'y a même pas de musique. Ça fait vraiment flipper quand même. Surtout qu'en plus, les anciens jeux de l'époque et tout. Ah ouais, d'accord, on a une clé ici, d'accord. Ah ouais, faut bien qu'on repère quand même. Il y a 3 clés. Donc déjà, il faut commencer par... Cela ne dit rien qui vaille. Oh putain, mais il y a l'autre qui me course en plus. Attendez, mais je fais comment, moi? Parce que... Il faut que je le fatigue quand même avant, non? Parce que si je dois rechercher... si je dois rechercher les clés... Alors que l'autre, il me court après... Ça va pas le faire. Je vais pas être d'accord, surtout qu'en plus là je vois rien. J'aurais dû fermer un peu mes volets parce que je vois que dalle. Mais attendez, dites-moi qui fait pas que me courser tout le temps quand même. Non mais ça va être impossible. Là il y a une clé. Regardez, le temps que je récupère la clé. Mais non. Waouh, comment j'ai atterri ici. C'est vrai ça. Oh là là, mais ça va être ultra chaud. Allez, on y va. Attends, j'espère que si je ramène au moins une clé, que ça va me la sauvegarder, enfin même si je crève. Ok. Ouais, à mon avis, ça doit bien le sauvegarder. Maintenant, l'autre clé. Alors, je sais pas du tout où elles sont. Ok, à mon avis, déjà, il est moins rapide qu'avant. Déjà, ça, c'est pas mal. Parce qu'il était trop rapide. Ouais, il est moins rapide. Non, c'est bien, je peux le devancer un peu. Et tant mieux, parce qu'alors là, ça aurait été impossible game. Mais ramasse-le. Mais... On y va. Mais putain. Oh, mais ce Jake... Elle s'est tendue, là, quand même, hein. Elle faudrait... Oh putain, faudrait pas qu'il devienne fatigué aussi. Oh là 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 là. Ça va être la galère. Putain, il va arriver en face de moi, tu vas voir. Allez, je veux entendre la musique. Ouais. Yes. Et l'autre, j'ai pas vu où est-ce qu'il... Oh. Oh non. Mais non, mais quel con. Moi, je vais sur le gars. Génial. Hey, bizarre, non? Bon, dis-moi que c'est bon, hein. Non, faut tous les relibérer. Ne dis rien qui vaille. Non, faut tous les relibérer. Mais dépêche-toi! Mais non! Oh mais... Non! Putain, je vois rien là, je vois rien sur la télé. C'est chiant.
Oh là là, faut tous les libérer. Oh, même si tu perds, il faut recommencer. Oh putain, il me rattrape. Mais non! Putain. Allez, 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 cours, cours, mon petit Jake, cours. Mais là, il va me rattraper, j'aurai pas le temps de prendre la clé. Elle est où d'ailleurs? Elle est là. Oh non! Non! Mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire que t'es nul, PD, putain! Cela ne me dit rien qui vaille. En fait, il faut s'arrêter pour... Voilà, c'est ça. Parce que si t'arrives trop vite, il faut le temps qu'il s'arrête, puis qu'il recule... Oh putain. Qu'il recule prendre la clé. Oh là 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 là, mon dieu, mon dieu, mon dieu! Jusqu'au bout. En plus, l'ambiance elle est vraiment glauque. Faudrait jouer à ça un soir d'Halloween, quoi. Et là, je l'ai un petit peu devancé, c'est pas mal. Il se pèle un peu contre les parois. Donc là, je ralentis, je prends, je saute. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais pas pu re-rentrer par là-haut. Ça m'aurait évité de refaire le tour. Par contre, l'autre clé, je sais. Ah si, elle est vers la maison. Mais c'est pas celle qu'on vient de prendre là? Non. Non, je crois que la dernière, elle est bien vers la maison. D'ailleurs, pour y aller, comment on va faire? Écoutez, on va refaire le même chemin. On va refaire le même. En espérant que le Klebs soit pas là. Il est où? Il est où le Klebs? Surtout qu'il est noir, on le voit pas, putain. Il me fait flipper ce Klebs. D'ailleurs, la maison, elle est où? Attends, elle est où la baraque? Non, là, on va vers la sortie, là. Attends, on va où, là? On va où, là? Ah non, on est vers la baraque. Et le chien, je sais pas où il est, hein. Allez, tourne! Putain, il est là! Non, non, prends-la pas! Prends-la pas! Oh, la tension monte. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Le team course, là, attends, on va essayer de le semer un peu autour d'un arbre. Hop là. Je fais un peu n'importe quoi. Je sais même plus où il faut aller, c'est où? Oh putain, je suis perdu. Ah non, c'est là, c'est là, c'est là. Non, oui, oui, allez, allez, allez. Ça y est, c'est fini? Non? Bah, j'ai encore la clé. Ah mais il est là, le Klebs. Allez, c'est bon là. Oh, au diable ce boulot! J'en ai marre de passer mon temps à attraper des chiens. Je veux programmer des jeux vidéo. Ah, c'est beau, c'est une bonne idée ça! Garde l'entrée de la maison de Miss Peaches. Ah, ça c'est pas une bonne idée. Bon, déjà que lui il arrête, c'est cool. Qu'il veut aller faire des jeux vidéo, c'est encore plus cool. Mais et qu'il laisse son chien garder la maison, c'est bon, t'as abandonné, tout le monde abandonne, c'est bon. Ah, oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Allez, on va récupérer un petit peu les os qu'on peut récupérer. Est-ce que... Attends, mais il y a des odeurs, là. Ah, mais il n'y a pas d'odeur! Ah, mais je viens de calculer qu'il n'y avait pas d'odeur. Ah, d'accord. Pouah, il n'y a que des os à récupérer. Oh, mais c'est bien. Tranquille. Bon, ça empêche pas qu'on va peut-être y passer des heures, hein. Mais. Enfin, des heures, non, peut-être pas, non. J'aurais arrêté avant, je crois. Putain, nickel. Oh là là, c'est quoi tout ça là? C'est tout des os, ça? C'est tous les os qu'avaient planté les autres chiens. Oh, mais en fait, on a tout quoi là, ici. Après, faut rentrer dans le manoir, libérer Daisy, et ça y est. Bah à mon avis, il y aura quand même des petites épreuves. Il va falloir affronter. Alors déjà, le chien va faire... À mon avis, il va nous courser. Il faudra le semer. Et ensuite... Ah ouais. Ils sont sur les cages. Il y a des os sur les cages. D'accord. Narmol. Ouais, ok. Faudra le semer. Et après, on aura Miss Peaches. À mon avis, faudra la semer aussi. Ou faudra la faire tomber dans un mécanisme pour qu'elle crève. Un peu à la Cruella, en fait, contre les Dalmatiens.
Et après, je pense qu'on aura peut-être une sorte d'énigme pour libérer Daisy. Et je pense que là, on aura fini. Donc là, ouais, allez vous chercher un café, des gâteaux, un chocolat, ce que vous voulez. Parce que je crois qu'on en a pour un petit moment. Il nous reste quoi ? Un os ! Un tout dernier os à trouver. Est-ce que c'est Daisy qui va nous le donner ou alors il est là ? En tout cas, je le vois pas. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'os n'est pas ici. Le tout dernier du jeu, il est pas là. Bon. Et bah ok. Donc là on a fait le plein. Je pense que on va pouvoir aller tranquillement aller semer l'autre Klebs. Putain ouais, là il y a vraiment pas d'os, il y a pas d'autre os. Hein. Donc là, le dernier il doit être dans la maison. Ok, ok, ok. Bah on va sauvegarder. C'est peut-être une bonne idée ça, ouais. Attends, c'est vrai que j'y pense jamais, mais peut-être une bonne idée d'aller sauvegarder. Allez hop. Voilà, comme ça au moins si jamais on fait une connerie, s'ils doivent nous faire recommencer l'histoire des clés et tout, non. Start, chargé, parti, et on revient. Attends, on va pas prendre de risques. Allez, let's go. Bye pas trop, Jake, bye pas trop, hein. Parce que là, voilà, ça y est. Ok, il est là. Ah, je vais devoir l'affronter, non ? Ah, non. Ah non, vu que j'ai plus d'os que lui, il se barre parce qu'il a peur de moi. Ah, bon, eh ben déjà une épreuve, je pensais que ça allait être une épreuve. Déjà, elle se barre. Eh ben tant mieux. Ok. Oula, attends. Conclusion. Mais attends, il nous manque un os, là. Oh merde. Bon, on verra après, on ira le récupérer si on a le temps. Sale petit bonhomme. Oui, mais vous n'êtes pas totalement stupide. Vous vous en êtes plutôt bien sorti. Ah oui. La chienne de Clarksville convient parfaitement à mes projets. Elle est belle et propre, à la fois maigre et tendre. Elle fera un mets tendre et délicat une fois transformée en rondelle, en dés et en purée par la grosse machine. Quand je l'aurai testée sur elle, on lancera la production. Puis-je vous poser une question, Miss Peaches ? Dwayne, non ! Allez-y, Wayne. Miss Peaches est d'humeur magnanime aujourd'hui. Posez votre question et j'y répondrai. Vous ne ferez aucun mal à cette petite chienne, n'est-ce pas ? Il est con. Fais gaffe, tu vas péter une durite là, à rire comme ça. Ouais, c'était pour faire le rire machiavélique. Bon, si je peux retourner en arrière, j'y retournerai. Mais le problème, c'est que je vois pas où il est, l'os. Donc en fait, non, j'y retournerai pas, ça servira à rien. Allez ! On fonce. Conclusion. J'en verrai pas ici. Non, bah non, il n'y a pas d'os, il n'y a rien du tout. Ok. J'espère que c'est Daisy qui va me le donner. Je suis un peu trop naïf. Bon, on va analyser un petit peu la situation. Danger de mort. Déjà, on est en sécurité. Oh putain, top secret. Ouais. Faut pas que j'aille là-bas quand même, si. J'en viens de là-bas. Non ? Bon, bon, on va y aller, hein. Il me semble qu'on vient de là, hein. On vient du blues. Non, mais c'est vrai, non ? C'est quoi, ça ? Je sais pas ce que c'est. La grosse machine ? Elle m'a l'air bizarre, cette pâtée pour chat que fabrique Miss Peaches. Ouais. On peut bouffer. Surtout, je vois rien. Bon, écoutez, on va aller là, parce que je vois aucun autre endroit, hein. Ah, mais on ressort, du coup. Je comprends rien. Il y avait rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tiens, bah on va regarder s'il y a l'os alors. Il y a pas l'air, hein. Il y a pas l'air d'avoir d'os ici. Si, un endroit où j'aurais pas vu. Je vois pas, hein. Derrière la maison. Ah, oh, il était là. Ça y est, on les a tous. Jake adore les os. Ah bah on a bien fait de ressortir alors. Nickel. Et bah voilà, on a les 125 os de Dog's Life.
Bon bah c'est bon, on peut se barrer, ça y est, salut à tous. On laisse Daisy dans la merde. Oh là là. Conclusion. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici là? Il doit y avoir forcément une interaction quelque part que j'ai pas vue. Mais aussi, comme je vous dis, avec la lumière là derrière moi, ça reflète sur la télé, je vois que dalle. Est-ce que je prends la peine d'aller fermer? Ouais. Allez. Elle m'a l'air bizarre, cette je vais me déplacer un peu. Je vais aller fermer le volet. Enfin, un petit peu, hein, faut que vous me voyez encore. Là, c'est pas mal, là. Je vais peut-être même allumer, non? Non, on va rester dans une ambiance assez sombre. Pour la fin, ça le fait bien, je trouve. Voilà. Ah, je vois un peu mieux quand même, déjà. Ouf. Alors. Est-ce qu'il faut que je monte là-dessus? Ah, appuyez. Ouais, à mon avis, il faut que je monte là-dessus. D'ailleurs, un truc à appuyer. Allez. Ah, il faut peut-être que je décale les machins, non? Bah non. Mais comment je monte? Ah oui, d'accord. Ça va être encore un même mécanisme que la dernière fois. Allez, on va galérer pour monter. Vous êtes prêts? Allez. Bon bah, il voudra pas, hein. On va rester ici, je crois. On est bien, hein. Allez. Monte, tu peux le faire. Oui, bravo! Oh. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh non. Daisy, elle ne m'entend pas. Ah, je pense qu'elle va se faire déchiqueter. Il faut que j'arrête la grosse machine. Mais comment? Eh ben, tu réfléchis. Putain, mais elle va crever, faut que je me dépêche. Appuyez. Ah d'accord, faut que je la suive. Comment je fais là? Je vais où? Ah, faut que je retourne derrière. Et faut que j'aille là. Oh, ce bordel. Bon, à mon avis, elle va crever, hein. Elle va crever parce que je suis pas assez rapide. Quoique. Allez, appuie! Putain, mais. Quoi? Ah non, mais là, elle va se faire déchirer. Bah voilà, ça y est, elle est morte. Oh non, je veux pas voir ça. Allez, fallait que j'aille des deux côtés. Et voilà. Pas mal. Ah là là. Ah, c'est pour faire de la pâtée pour chat à base de chien. D'accord. C'est assez dégoûtant. Bon, eh ben on l'aura pas sauvé une première fois. On va dire qu'elle a 9 vies comme un chat, hein. Allez. Donc en fait, ok, faut simplement suivre. Donc faut le faire. Ah d'accord, ils sont là, t'en as un ici. Ok. J'ai cru qu'il fallait carrément contourner, mais non, ça va, ils sont à côté. Donc nickel. Et c'est tout? Non, à mon avis, il y a d'autres choses. À mon avis, il faut retourner là. Voilà. Bon, c'est bien. C'est assez bien fait. Le level design là, il est bien, on comprend. Alors des moments, putain, tu comprends, mais que dalle. Ensuite, il y a ici. Attraper. Donc attends. Attraper. Faut que je tire. Hop, ouais, sinon là, putain, dis donc, ça va devenir une carpette. Ok, donc là, le jeu, il m'a mis ici, je sais pas pourquoi. Ensuite, on va là, on va là, on va où, je sais pas, je comprends pas, danger. Ah là, il y a un autre levier. Allez, tire-le ce levier, tire-le. C'est bien. Allez, et maintenant, je vois que ici, il y a une autre flèche. Ah, donc faut que je monte ici. Ok, bien, il est monté tout seul. Enfin, il est pas monté tout seul, mais il monte bien. Allez, monte, s'il te plaît. C'est bien. Attends, je vais prendre un mode odorat parce que ça sert bien. Et là, on fait quoi, ici? Vas-y, descends. Mais si, descends, vas-y! Putain. Il fallait pas descendre. Oh, non! C'est bon, je vois où est-ce qu'il fallait aller. Oh, bah, elle va mourir une deuxième fois. Allez. Non! Mais putain! Mais c'est pas vrai! Dès le début, je devrais me mettre en mode odorat. C'est tellement plus simple. Allez. Je passe. Oui, tu passes, oui! Faut que j'aille où là? Attends, j'avais vu quelque chose là. Faut que j'arrête peut-être ça, oui, faudrait peut-être que j'arrête ça, oui. Oh, putain, elle est pas loin en plus. Oh, le suspense! Méga suspense. Ensuite. Ensuite, oui, j'ai vu un truc là.
Récupérer, mais... Quoi? Ça sert à quoi, ça? Que je récupère, il faut que je mette quelque part, non? Fallait que j'arrête quelque chose, là. À mon avis, fallait que j'arrête quelque chose. J'ai oublié quelque chose, là. Oh là là, je comprends rien. Mais je vais où, là? J'attends de revenir au début, non? J'ai oublié d'arrêter quelque chose, à mon avis. Ça peut peut-être servir, ça. Ah non, c'est ça, il faut que je jette là-dedans. Daisy. Oh non, je veux pas voir ça. Oh non. Ok. Attends, alors, soit c'était ça qu'il fallait faire, mais alors je l'ai raté d'une seconde. Soit il y a un truc que j'avais oublié de désactiver. Allez, cette fois on est chaud. On est chaud patate. Oh, pauvre petite Daisy. Je comprends que tu veuilles pas m'aimer après t'avoir tué deux fois quand même, hein. Allez, oui, c'est bon, on sait. Allez. Et là, je rappuie rien que pour le remettre. Bon, tout à l'heure, en tout cas, c'est clair. J'ai dû oublier de désactiver les scies. À moins que, justement, pour désactiver les scies, il fallait mettre ça dans le... dans le mécanisme pour complètement l'arrêter, en fait. Je pense que c'est ça. Oh putain, ils m'ont mis là directement. Mais nickel, écoute. Ok. Allez, tire. Voilà. Bon, on prend quand même pas mal d'avance, hein. Ensuite, mode odorat. On. On monte. On monte. Ça va, là, ils montent bien. Ils ont bien fait leur truc, là. Par contre, là, je sais pas trop comment j'ai fait pour descendre tout à l'heure. On va essayer de refaire pareil. Oui, hop, nickel. Et c'est là. Ah, alors, il y a ici déjà. Mais c'était ça en fait. Non? Ah non, non, ça c'était le premier. Mais il doit y en avoir un deuxième, non? Ou alors c'est que je l'avais pas arrêté. Attends, il y a un autre truc là, non? Non, là, il y a rien. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir oublié? Non, non, là, il y a encore les scies, hein. Ah là! Putain, c'est ça! C'est bon, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Donc, on va prendre ça. Il est où? Je le vois même pas. Ah, il est là. Hop! Putain, fallait le voir, oh, ce machin! Putain, oh. Et allez, on va arrêter le mécanisme. C'est parti. Vous êtes prêts pour la fin de Dog's Life? Oh, mais la Miss Peaches, faut bien qu'elle paye quand même, non? On va pas la tuer quand même. Elle mériterait, là, hein. C'est elle qu'on va transformer en pâté pour chien, pour chat. Allez, go! Et maintenant? Et maintenant? Quoi, il en faut d'autres? Non! Non, il en faut pas d'autres. Ou alors je l'ai loupé le machin. Non, attends. Il en faut plusieurs? J'ai oublié d'arrêter un mécanisme? Ah ouais? Putain, il faut plusieurs! T'es sérieux là? Mais c'est chaud! Attends, j'ai rien oublié. Là, il y a les scies. Et là, au bout, il y a quoi? Putain, je stresse là. Allez! Allez, dis-moi que c'est bon là! C'est pas bon? Non! Oh, mais faut carrément prendre de l'avance! C'est un truc de malade, non? Ou faut attendre qu'elle arrive au bout? Mais là, elle va crever, là. Je sais pas comment, mais elle va crever, non? Faut que j'aille la récupérer. Ah non, elle est là encore! Putain! Et là, faut pas. Non, bah non. Non, bah là, elle est morte. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas. Ah là, elle va crever, là, elle est morte. Elle est quick là. Putain, elle est juste là. Juste attends, non? Oh non, je veux pas voir ça. Mais non! Mais je comprends pas. Mais attends, mais il y a un bug du jeu là!
Bug. Oh, mais faut... Oh, mais comme faut se dépêcher. En plus, du coup, je sais même pas si le troisième a marché ou pas. Mais non... Mais attends, mais non... Mais dites pas que je vais devoir encore retourner voir sur Internet. Pourtant, ça me semble évident qu'il faut mettre des boîtes de conserve là-dedans. Mais attends, déjà 3 ? Déjà 3, s'il te plaît. Ça suffit. Attends. Ou alors j'ai mal visé, mais non. Non, je peux pas croire. Ça vise automatique, c'est bien. Allez. Allez, dépêche-toi. Du coup, je peux continuer à contrôler, c'est bien ça. Allez. Bon, j'espère que c'était 3 et que l'autre, il me l'a pas compté. Hein. Parce que alors là, non, moi, je veux pas. Sinon, c'est impossible. Et ce sont les chats qui ont 9 vies. Oui, ce sont les chats. Attends, j'espère que j'ai rien oublié là. Non, j'avais celui-là et après c'est fini, hein. Ouais, je pense que c'est bon. Là, hop, j'en prends. Allez, mais putain, il est bloqué. Mais putain. C'est ultra, ultra chaud. Enfin, si c'est 3, ça va, mais alors si c'est 4... Parce que tout à l'heure, bon, j'avais perdu du temps, ok. Jeter. C'est bon, là, ça va dedans. Attends, y a pas un moyen de... Je crois qu'il y avait un... Non, non. Il m'a semblé voir un moyen de redescendre plus rapidement, mais ça m'étonnerait. Mais sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait y remonter, et tout ce chemin-là servirait à rien. On va quand même que je revérifie lors de mon second passage. Ça dis-moi pas qu'il se fatigue. Allez. Hop. Putain, mais elle est déjà là. Mais c'est impossible. Elle est déjà là. Comment j'ai fait tout à l'heure? Putain. C'est incroyable. En plus, je crois qu'il commence à être fatigué, là, parce qu'il est mou. Très, 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 très mou. Ouais, là, on peut pas redescendre, quoique. Il semblait avoir vu, quand même. Là, je peux descendre, ici, là. Ici. Oh, je peux redescendre. Oh, putain, je peux descendre. Oh, j'ai bien fait de le voir, hein. Par contre, là, je suis crevé. Pourquoi je peux rien récupérer, là? Allô? Allô? Je peux rien récupérer? Allez! Oh putain. Non, en fait, c'était l'interface qui avait disparu. Mais regardez-moi ça, je suis tout mou. Faudrait que je teste si je peux monter au lieu de faire le chemin, mais bon, je crois pas. Putain! Il est tout mou! Et elle est déjà là. C'est bon, c'est mort. Oh, c'est pas vrai! Je peux pas le lancer de là, le machin. Et allez. Daisy! Oh non, je veux pas voir ça. Putain, c'est chiant ça. Mouais. Mouais, 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 mouais. Bon. Bon, déjà, on peut gagner du temps. C'est pas mal. Oh non, mais saute pas, tu vas te fatiguer. C'est pas vrai.
allez, non, allez. Mais c'est vrai que si je devais refaire le chemin en entier à chaque fois, ça aurait été louche. Là, au moins, je peux couper, c'est pas mal. Et je pense pas que je puisse y remonter, hein. Ce serait étonnant. Allez, grouille. Allez. 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 C'est bien. Putain, c'est stressant. Allez, tourne, tourne, mais vas-y. Ouais, non, non, on peut pas remonter, c'est trop. Attends, faut que j'aille arrêter ça. C'est trop showtime. Allez, récupère. Récupère. Voilà. Bon, pour le moment, on est encore rapide, c'est pas mal. Dis-moi qu'il m'en faut que 3. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai trop peur de mal viser. En plus, t'as même pas de musique, t'as même pas un ta-ta-ta-ta-ta, enfin, ou un truc pour te dire c'est bon quoi, tu l'as mis dedans. Putain. Allez, mais. Mais putain, y'a un bug! Je vois plus, là, je peux plus les prendre. Mais je peux plus. Il y a un bug. Ah mais non, faut attendre qu'ils reviennent. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Putain, mais... Oh, mais on n'est pas aidé, franchement, là. Putain. Oh là là. C'est pas vrai. Pas comme ça qu'on va y arriver. Non mais il fait quoi? Mais il fait quoi? Sale klebs. Putain, il a faut que j'attende encore. Oh, oh là là, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais elle est où? Elle est déjà là? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est pas possible. Allez! Mais non. Voilà, au moins je suis plus rapide que tout à l'heure. Mais ça suffira pas! Elle est où? Elle est déjà dans le virage. Mais non, mais arrête, arrête. Elle est là, bon, il y a peut-être un espoir. Allez! Allez! Mais. Daisy! Oh non, je veux pas voir ça. Non. Je vais être obligé d'aller voir sur internet. Ça suffit pas. 3, ça suffit pas. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est quoi ce jeu? Je viens d'avoir une idée. Ah, la sieste. J'attends toutes les boîtes de conserve. Et je les jette là-haut. Comme ça, je fais qu'une seule fois le passage. Et je les mets toutes d'un coup. On va essayer avec 5. Histoire d'être le plus safe possible. Attends, mais elle est déjà là? Oh putain, j'ai perdu du temps déjà. J'ai perdu du temps. C'est pas bon.
Ouais. Faut que je prenne les boîtes de conserve et que je les jette. J'aurais dû penser plus tôt. Bon, quand on jette, c'est tellement... Oh non, il est coincé. C'est tellement aléatoire, je trouve. On va voir si c'est bien fait. On fait quoi? On en fait 5 pour commencer. Et puis sinon, on essaiera d'aller encore plus vite la prochaine fois et on fera plus de 5. Mais... Tout dépend à quelle fréquence elles arrivent aussi, les boîtes. Hein, parce que je vois que elles sont molles du genou quand même. Et voilà. Ouais. En fait, il faut venir là, il faut les jeter quoi. Ah, j'espère que ça marche. Allez, on va faire ça. Donc, on récupère. Allez! Il est tellement long à récupérer. On vient ici. Et là, on jette. Non! Faut se mettre proche. Là et là. C'est bon, ça a marché, je pense. Il faut que j'attende. Mais. Y'a pas un moyen que je monte dessus, non? Pour récupérer. Ah si, là. Ah ouais, non, je peux pas. Putain, je suis obligé de les attendre. C'est complètement horrible. Là, j'espère qu'elle y est. Hein. Bon, ça a l'air, ouais. Je peux pas récupérer d'autres, putain. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, je vais essayer un autre truc. Non, mais elle est déjà là. Il y en a pas qui arrivent. Qui arrive. Je comprends rien. Aïe. En plus, elles sont même pas là. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Récupérer quoi? C'est quoi ça? Mais non. Encore? Mais non, mais c'était tout là. Je vais péter un câble. J'ai fait un truc qui servait à rien quand même. J'ai réussi, j'ai sauvé Daisy. Oh oui, elle sera bientôt mienne. Bon bah voilà. On a fini ce putain de jeu. Mais non, j'y crois pas. Vous croyez plus malin que Miss Peaches, hein, sale bête? Je vais vous transformer en pâté. Ils vont la pousser. Adorable minou. Entrez dans la grosse machine et que ça saute. À propos de nourriture, j'ai mangé des haricots et du chou au dîner. Prends ça, tigresse. Bien joué. Comment elle est sur le tapis, c'est fermé, c'est en verre. Oh, la facilité. Mise en boîte de Miss Peaches pour nourrir les chats. Pauvre chat. Je vous aurai, sale cabot. Je vous pourchasserai. Je vous transformerai en rondelles, en dés, en purée. Vous aurez affaire à... Rondelles. Des purées. Ah bah là. Miss Peaches nourrit les chats. C'est assez horrible hein, quand même. Hein. Mais bon. Et voilà. Ah, de l'humain dans les boîtes pour chats. Berk.
Ben voilà, ça y est. Bon, tout est bien qui finit bien. C'était un épisode de ma vie de chien. À notre retour à Clarksville, mes meilleurs amis ont organisé une petite fête. En mon absence, Pépé a écrit un livre, L'histoire de sa vie. Mais les avocats disent qu'il faut qu'il en change le titre. Mon copain guitariste a sorti un disque qui a fait un tube, mais je suppose que vous l'avez déjà acheté. Wayne et Dwayne ont ouvert un salon de toilettage pour chiens hypoallergéniques. Maintenant que Wayne n'a plus d'allergie, il adore se promener et s'amuser avec ses amis canins. Quant à Daisy et moi... Oh oui, elle est enfin mienne. Au revoir les amis. Au revoir. Voilà. C'est fini, je vais pleurer. Non mais c'est vrai que... Bah ça fait 13 ans quoi. Ça fait 13 ans que je l'ai et... Bah j'avais jamais vu la fin. Donc voilà. C'est fini. Ah, c'était une bonne petite aventure. C'était bien sympathique. Coucou Hiraku, regarde. J'ai fini le jeu. Attention, fais gaffe parce qu'avec tous les fils là. Ouais, c'était bien, mais c'était assez horrible. Parce que, en fait, la Miss Peaches là, ce qu'elle voulait faire, c'est la grosse méchante là. Ce qu'elle voulait, c'était. C'était récupérer des chiens. Allez, Milo qui s'y met maintenant. Allez, viens là, viens avec nous. Pour la fin. Allez, viens là. Oh, mon petit Milo, dis bonjour à la caméra. Voilà. Attends, qu'il touche pas à la manette, lui. Ouais, et en fait, elle voulait des chiens pour faire des boîtes pour chats. Pour les déchiqueter, pour les mettre en dés, en faire de la purée et tout. Non, Milo. Bah. Ouais, t'as vu, c'est assez gore quand même. Mais du coup... Manger des boîtes pour chiens. Ah. Ouais, c'est ça. Non, mais dis-toi qu'à la fin, Jake il pète sur la méchante, elle recule, elle tombe dans la machine, et c'est elle qui se fait déchiqueter, couper en dés, tout transformer en boîte, et c'est les chats qui vont bouffer ça. C'est horrible. Ah ouais, c'est un peu dégueulasse. Je l'ai dit, ouais, c'est assez dégueulasse quand même. Bon, tu vois pas tout, mais c'est assez gore. Bah en même temps quand tu vois que Jake il chie, il pisse, il pète, voilà, bon, c'est l'esprit de ce jeu, hein. Mais c'est vrai qu'il fallait pas être sensible avant. Bon, et bah pour un petit résumé de ce jeu, bon, il a, à part son gameplay qui est parfois un petit peu difficile, c'est cool, moi je teste un jeu 13 ans après. Non mais, à part son gameplay qui est un peu difficile... il a une très bonne bande son. Bon, qui se renouvelle pas énormément entre les niveaux, c'est assez dommage, mais bon, on peut pas lui reprocher parce que pour l'époque, avoir une bande son d'une aussi bonne qualité, c'est quand même à noter. Après l'histoire, bon, bah, c'est l'histoire banale, mais ça va. Je veux dire, t'as quand même un bon objectif au bout. Les niveaux, les environnements, ils sont quand même assez diversifiés, mais on a peu d'environnements. Les environnements, franchement, je crois que c'est le plus gros point fort du jeu parce que ça t'immerge complètement dans le jeu, ça t'immerge à la campagne, dans les villes et tout ça, et c'est vraiment ingénieux, ils ont vraiment bien fait leur truc. Et puis après, bah, y a tout le côté marrant, il y a tout le côté. Caca prout, hein, mais aussi tous les dialogues qui sont décalés, qui sont second degré. Après, il y a aussi les objectifs. C'est que c'est un jeu qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que là, tu dois récupérer des odeurs, tu dois récupérer des os. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, je veux dire, dans un jeu qui est même complètement inédit. Et le truc, c'est que... Alors, peut-être que le jeu a pas bien marché, mais voilà, on n'a pas eu de suite de Dog's Life. On n'a plus jamais entendu parler de ça. Bon, à la base, Frontier Development, ils sont pas... C'est pas des développeurs pour des jeux comme ça, hein, je crois. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est les jeux comme Elite. D'ailleurs, il y a le Elite Dangerous qui est sorti l'année dernière, il me semble. Et voilà, c'est plus des jeux de vaisseaux, espace et tout ça. Mais ils se sont bien débrouillés pour ce jeu-là, quand même. Donc, voilà, content.
Content de l'avoir fait, content d'être arrivé au bout. Parce que moi, ouais, je crois que je m'étais arrêté dans les niveaux de la neige. Je crois même pas être arrivé à Boom City quand je l'avais fait il y a des années. Et ben voilà, j'ai réussi à blablater pendant tout le crédit, tiens. Bah du coup, je vous laisse avec le crédit de fin, enfin ce qui en reste. Et puis bah quant à nous, eh bien, on espère que ça vous a plu. Et on se souhaite de bien tenir nos occupations. Et ciao à tous.